Là-bas, j'entendais une voix me disant, monte ici, je te ferai voir. Quand le ciel s'ouvre, le Père ne peut pas rester indifférent. Quand le ciel s'ouvre, il y a toujours des choses qui descendent. Pierre a vu le ciel ouvert, il y avait une nappe. Jean a vu le ciel ouvert, la voix se fit entendre. Au Jourdain, le ciel s'était ouvert, le Père a parlé. À la montagne de la transfiguration, quand le ciel s'ouvrit, le Père parla. Adonai ce soir, la zebrale lo salia verele scotalia renelo basete. Utere mele meharus, la talia varadus, que la radia levas. L'éther de la Miralouvali et la parapluie de la Sonicle. Terre de la Soralie de Clatou de l'Orilaché, Mikratou de l'Orilaché, émetteur de micrables de feu. Piterabli de la Sonicle, Warus, Eliavarapli de la Souzevash. Atouze la Mahani, Anterene le Mehazouzash. Rezouza lia paradolome qui avait été nous. Temehe le Merene le Mehevekai. Rus alukateli veve ene moranania malavi achete. Lutere de la mekavaha susania parania ke lavaz. Baba Père, parle à nos cœurs. Bénis-nous ce soir. Glorifie ton Saint-Nom. Bénis Seigneur éternel. Qui sont dans cet auditoire. Instruis-nous, enseigne-nous. Il est dit dans ta parole, ton esprit, ta parole est esprit et vie. Abba, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Nous vous saluons donc Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Une fois de plus ce soir, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous les internautes, que Dieu vous bénisse abondamment de partout. Vous êtes en train de nous suivre et clapper de notre Seigneur Jésus-Christ. Garde vos cœurs en Christ Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main sur nous depuis le début de cette série d'enseignements. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit. Bénissons le Seigneur pour les choses que nous n'avons cessé de dire depuis le premier dimanche où nous avons introduit cette série d'enseignements et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour sa grâce et son amour. Ce soir, on va lire Genèse chapitre 1er, c'est une histoire que nous connaissons maintenant. On va lire tout le chapitre de Genèse 1er, donc du verset 1er au verset 31. Souffrez quand même qu'on les lise, certes c'est long le texte, mais ça vaut la peine que nous puissions les lire. Est-ce qu'il y a du bruit dans notre baffle? Il y a le bruit de fond. La presse, aidez-nous s'il vous plaît. Si vous pouvez enlever ce bruit de fond, ça dérange. Genèse, chapitre 1er, du 1er au 31e verset. Nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3, go.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mort des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa le grand poisson et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplie sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson mal qui s'émeut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel et tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Parole du Seigneur. Je nous prie d'acclamer les Saintes Écritures et de répondre aux places. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche, nous avons dit beaucoup de choses par la grâce du Seigneur et je vais essayer de revenir là-dessus rapidement. On a exploité, n'est-ce pas, le texte d'Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 12 au verset 18, où le Seigneur a dit à Paul au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et je t'envoie vers le païen avec commission pour que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils passent. » Qu'il quitte de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'il reçoive par la foi en moi le pardon de péchés et l'héritage avec le sanctifié. Nous avons dit que tout bâtisseur doit avoir la patience pastorale et l'espérance apostolique. Nous avons dit que tout bâtisseur doit apprendre à identifier l'esprit derrière les actes que posent les hommes. Nous avons dit que tout bâtisseur ne doit pas mépriser une personne à cause de ce qui lui manque dans le présent ou à cause de son informe et le vide. Nous avons dit que tout bâtisseur doit apprendre à traiter tout homme à sa juste valeur. Pour ceux qui sont bâtis, nous avons dit qu'il faut apprendre à identifier ton homme de Dieu ou ton homme sycomore. Nous avons parlé de Naomi et Ruth. La deuxième des choses, nous avons dit que tout homme qui est bâti ou qui sait qu'il a une grande destinée avec le Seigneur, il doit rester focus sur la rémunération malgré le caprice du oin et de son onction. Nous avons parlé de Pierre, nous avons parlé de Élisée. Troisièmement, nous avons dit, nous ne devons pas chagriner le cœur de ton homme de Dieu. Il ne faut pas blesser le cœur de ton homme de Dieu, car cela ne te sera pas avantageux. Alors nous avons dit, que devons-nous faire? Nous devons avoir la révélation de la mission. La révélation de la mission, nous avons utilisé le texte de Genèse, chapitre 49, le verset 28. La Bible déclare, Jacob a béni ses enfants, chacun selon sa bénédiction. Et pour y arriver, nous avons dit, nous devons avoir un esprit prophétique, car la compréhension de la mission facilitera l'investissement. La compréhension de la mission va nous faciliter l'orientation. La compréhension de la mission facilitera l'accompagnement. La compréhension de la mission rendra conscient et nous permettra de bien canaliser notre énergie. La compréhension de la mission détermine notre manière de prier et les paroles qui seront libérées sur le porteur de la grâce. Nous avons dit comment découvrir ce à quoi on est appelé. Nous avons dit il faut poser des questions aux parents sur les événements qui s'étaient déroulés avant la grossesse, pendant la grossesse ou lors de notre naissance. Nous avons parlé de notre Seigneur Jésus-Christ et autre chose. Deuxièmement, nous avons parlé de la voix prophétique. Nous avons parlé de la voix prophétique. Tu peux découvrir ce à quoi tu es appelé par une orientation prophétique. Car du roi Roboam, en lisant la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 11 du verset 29 au verset 39. 3, nous avons parlé de songes, cas de Daniel. 4, nous avons parlé de la passion, où ce que nous faisons aisément voit encore le talent inné. 2, nous avons dit nous devons apprendre à chercher l'onction, car l'onction amplifie nos habiletés. L'onction, c'est la main invisible de Dieu derrière la main visible de l'homme. Nous avons dit c'est par elle que nous avons des résultats surnaturels. Nous avons dit par elle nous pouvons diriger, consoler, parfumer et introduire les hommes dans leur destinée. 3, l'onction que nous avons eue, nous devons l'entretenir par le jeûne, la prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui, très tôt le matin, allait dans le montagne prier. 4, nous avons parlé de paroles de grâce, de Deutéronome chapitre 33, le verset 6. 5, nous avons parlé de combat spirituel. Ce sont des choses que nous avons échangées, partagées plutôt le dimanche par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, je vais continuer autour de notre thématique, mais cette fois-là, le texte que nous venons de lire, le texte de Genèse, c'est une histoire que nous maîtrisons très bien pour les lecteurs de la Bible. L'art de bâtir. Dieu étant le premier bâtisseur, nous devons suivre ses pas. Comment le Seigneur a fait pour créer le monde visible et le monde invisible? Comment il a procédé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui,
Nous croyons en Dieu. Mais il arrive de fois que les choses que nous faisons, nous ne le faisons pas en prenant le Seigneur comme notre modèle par excellence. Si Jésus-Christ, fils de Dieu, par essence, il priait pour avoir le résultat qu'il avait dans son ministère, je crois que nous qui sommes enfants de Dieu par adoption, nous devons également être des hommes et des femmes de prière. Si le Seigneur Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait parce que il obéissait aux ordres, aux instructions ou à la volonté de son Père, je crois que nous aussi, nous devons imiter le Seigneur afin de vivre la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Eh bien, en lisant la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1er, je ne saurais pas faire l'étude exégétique parce que le texte est long, mais je crois que tout ce que le Seigneur a fait, nous l'avons toujours dit, cela, je l'ai toujours scindé en trois grandes parties. Tout ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 2, avant la chute de l'homme, dans Genèse chapitre 3 bien sûr, cela, je l'ai toujours subdivisé en trois grandes parties. La première des choses, c'est le Dieu a dit. La deuxième des choses, c'est le Dieu a fait. La troisième des choses, c'est le Dieu a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui arrive quand vous lisez la parole de Dieu? Genèse chapitre 1er, la Bible déclare, au commencement la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et quand le Seigneur arrive, Dieu n'a pas commencé à faire sans parler. La Bible déclare, et Dieu dit, Dieu a parlé. Dieu a libéré le parole. Dieu a parlé sur l'informe et le vide. Là où il n'y avait rien, il y avait le tohu-bohu. Quand le Seigneur arrive, le Seigneur s'est mis à parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, nous l'avons toujours dit dans cette maison d'alliance, une bouche fermée est une destinée morte. Nous devons apprendre à parler. Parler positivement. Parce que si vous voulez connaître la température de la destinée de quelqu'un, mettez le thermomètre dans sa bouche. Le parole qui sort de sa bouche, les choses qu'il dit sur sa propre vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, dans la présence de Dieu, se bénissent, ils libèrent les paroles positives. Quand ils sortent dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, face aux réalités auxquelles ils sont confrontés, face aux réalités qui accablent leur vie, la personne qui s'est bénie à l'église, il commencera à se maudire à la maison. Il y a des gens qui se sont réunis au stade, je ne sais pas, à la montagne, dans nos églises, dans le veilleux de prière, dans les maisons de retraite. Nous avons prié pour le Congo. Nous avons béni le Congo. Nous avons parfumé le Congo avec le parole de grâce. Mais quand nous allons sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, dans la nation, vous verrez les mêmes personnes qui ont béni le Congo, ils vont commencer à maudire encore le pays pour lequel ils ont prié, ils ont déclaré. Ça, je ne l'ai pas vu. Le Seigneur, quand il est arrivé, la Bible clare, Dieu a dit, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, la vie de chaque homme sur la terre des hommes prendra la forme des paroles qui sortent de sa propre bouche. Car la Bible déclare, la vie et la mort, elles sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime, en mangera le fruit. Bien-aimé frère, qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Quand tu es devant le miroir, quand il y a certaines difficultés qui t'accablent, quand il y a les hommes qui te méprisent, quand tu fais face aux personnes qui ne croient pas en toi, quand tu es face aux adversités de la vie, quelles sont les paroles qui sortent de sa bouche? Bien-aimés frères, ne pas manquer là, ne pas avoir de l'argent, n'est pas synonyme d'être pauvre. Ne pas être marié n'est pas synonyme d'être célibataire. Ne pas avoir des enfants n'est pas synonyme d'être stérile. Et bien si quelqu'un me dira que je suis pauvre, je dirai non, moi je ne suis pas pauvre. C'est l'argent que je n'ai pas encore eu. Car le Seigneur, il a dit dans sa parole, que riche qu'il était, il s'est appauvri. Pas pour que moi je reste pauvre, mais pour que je sois enrichi. Et bien, je ne conditionne pas ou ne définis pas ma vie en fonction de ce que je n'ai pas matériellement. Mais ma vie est conditionnée par les paroles de grâce qui planent sur ma vie. Parce que nous savons très bien que c'est le spirituel qui contrôle et gouverne le physique. Le Seigneur, quand il arrive, Dieu s'est mis à parler. Que la lumière soit.
et la lumière fut. Bien-aimé frère, vous savez, par moments, quand je me mets à lire la parole de Dieu, je me dis, mais comment le Seigneur a fonctionné? Mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare, la terre était informe et vide. Mais il y a une vérité importante, c'est que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand le Seigneur arrive, il voit l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus de l'abîme. Dieu dit, ça y est. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé frère, s'il y a un moment où tu dois parler sur ta vie, même si tu n'as rien, c'est quand tu sens que l'onction de Dieu est là. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens que l'atmosphère est favorable. Bien-aimé, écoute un peu, déconnecte-toi de ta poche, déconnecte-toi de ton compte en banque, déconnecte-toi un peu de tous ces méchants propos que tu as entendus à la longueur de la journée. Concentre-toi sur ce que tu veux devenir. Parce que l'homme est changeant de nature, l'homme est changeant. La même personne qui t'a insulté aujourd'hui, la même personne qui t'ont dit que tu es un galérien, tu es un foutron et ta vie ne vaut rien, ces mêmes personnes-là changeront ta vie. Les jours qu'ils verront, la main puissante et agissante de Dieu se manifester dans ta vie. Alors dis à ton voisin, ne donne pas raison à quelqu'un. Faut pas donner raison à quelqu'un. Déjà eux-mêmes, sans avoir consulté Dieu, ils ont déjà mis le poids sur les i en disant que toi tu ne seras rien. Alors ne leur donne pas raison. Déjà eux-mêmes, ils t'ont déjà condamné à une certaine vie en disant non. Lui ne fait que demander parce qu'il n'a pas fait de grandes études. Ah, sa vie ne ressemblera à rien. Il y a des gens aujourd'hui qui ont cru que Dieu habitait dans leur poche. Et même dans leur cœur, ils attendent à tout prix à ce que tu échoues. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Seigneur les décevra lamentablement. Oh mon Dieu, j'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu n'honorera pas la prière d'un homme qui attend que toi tu échoues pour qu'il ait raison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu va les déshonorer car tu y as une histoire avec le Seigneur. Et je suis de ceux qui croient fermement de tout cœur que ta vie ne finira pas comme cela. Alléluia. Je suis venu ce soir avec un ardent désir de bénir et parfumer la destinée de quelqu'un. Quand le Seigneur arrive, tout est informé vie. Le Seigneur regarde et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière. Bien-aimé frère, en lisant les choses que Dieu a fait, Genèse chapitre 1er, le Seigneur a commencé à parler, la puissance de la parole créatrice. Il a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Deux, Dieu a fait le constat. La Bible déclare, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc si le constat de Dieu n'était pas positif, c'est que Dieu allait encore appeler une autre lumière jusqu'à ce qu'il voie le type de lumière que lui voulait voir. Le constat, Dieu n'a pas seulement dit que la lumière soit ici. Non, non, la Bible déclare Dieu dit. Il a regardé la lumière. Est-ce que la lumière qui est venue, elle est conforme à la lumière que moi je voulais voir? Donc si cette lumière-là n'était pas conforme à ce que le Seigneur voulait voir, c'est que le Seigneur allait encore créer une autre lumière jusqu'à ce qu'il voie ce que nous voulait voir. Bien-aimé frère, ce n'est pas parce que tu as prié, tu as demandé, je ne sais pas, ce que tu vois, est-ce que c'est vrai, ça ressemble à ce que toi tu voulais avoir? Eh bien, si ça ne ressemble pas à ce que tu voulais avoir, eh bien, n'arrête pas de prier. Je prends un exemple. Tu as prié, tu as dit à Dieu, ma père, fais-moi grâce, je vais me marier. Et le Seigneur honorait ta prière, eh bien, il t'a donné un mariage. Mais depuis que tu es dans cette maison-là, tu ne fais que verser le larme. Est-ce que c'est ce mariage-là que tu voulais avoir? Tu as prié Dieu, tu as dit à Dieu, Seigneur, je prie que tu me donnes un fiancé. Et du coup, soudain, un frère, vous vous êtes engagé.
Mais depuis que vous êtes dans cette relation-là, rien n'évolue. Tous les objectifs que vous vous êtes fixés au début de l'année jusqu'à aujourd'hui, rien ne fait. Est-ce que c'est cette relation-là que tu voulais avoir? Alors là, je ne suis pas en train de dire, change de prière pour que Dieu donne une autre relation. Mais non! Tu peux seulement prier pour que Dieu améliore cette relation-là. Que Dieu améliore ces mariages-là. Que Dieu améliore les conditions de vie afin que tu reçoives de Dieu un témoignage éloquent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand vous lisez 1 Rois chapitre 3, qu'est-ce qui a fait que la femme prostituée récupère son enfant qui était dans le main de l'autre femme, qui était une femme désordonnée, si je peux le dire ainsi, la Bible déclare, la nuit, elle se coucha sur son fils. Et pendant la nuit, il a pris l'enfant de l'autre. Elle s'est réjouie avec cet enfant toute la nuit. Mais écoutez, quelle que soit la longueur de la nuit, la journée finira par apparaître. Et c'est la matinée quand cette femme prend l'enfant. Non, j'aime les détails qui est donné dans cette portion de l'écriture de la Bible. Donc elle regarda son enfant attentivement et s'est rendue compte, non, ça c'est pas mon enfant. Bien aimé, écoutez, il y a un moment dans la vie où tu dois te déconnecter, te détacher d'un monde de personnes. Parce que par moments, la solitude nous permet d'améliorer notre façon de voir. La solitude nous permet de revoir les choses si ce que nous avons ressemble à ce que le Seigneur nous avait promis. La Bible déclare, elle a pris l'enfant. Quand elle regarde l'enfant, elle dit non, mais non, ça, c'est pas mon enfant. Il y a eu des problèmes. Mais la Bible déclare que deux femmes se présentèrent devant Salomon. Bien-aimés, écoutez, aussi longtemps que le Seigneur peut te permettre d'avoir, que l'enfant qui est mort dans tes bras n'est pas ton enfant, aussi longtemps que Salomon peut s'asseoir sur le trône, aussi longtemps que tu peux avoir accès au trône de Salomon, dis-toi que tu ne rentreras pas ou tu ne quitteras pas le trône de Salomon avec un enfant mort dans tes bras, parce que le Seigneur, il est le juste juge. Et qu'est-ce qui arrive? Comment le trône de Salomon est défini? La Bible déclare le trône de Salomon. Devant le trône de Salomon, il y avait 6 marches. Et le trône de Salomon était au niveau du 7e marche. Donc pour arriver là où Salomon s'assied, autrement dit, pour arriver là où était le trône ou le repos de Salomon, il faut passer 6 marches devant le trône de Salomon. Et qu'est-ce qui est dit? Le trône de Salomon était entouré par 12 lions. Il y avait 6 lions à droite, 6 lions à gauche. C'est que Salomon, le trône de Salomon est sécurisé par des lions. Et qu'est-ce qui arrive en lisant la parole de Dieu? La Bible me présente 6 marchepieds avant d'atteindre le trône de Dieu. Le Seigneur a créé le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Et c'est au 7e jour que Dieu a mis le trône et il s'est reposé. Et la Bible déclare dans cette histoire que ce que Salomon avait fait, la manière dont il avait bâti le trône, cela ne s'était jamais fait sur la terre des hommes. Alors où est-ce que Salomon a copié le modèle? Parce que sur terre, aucun autre roi n'avait fait ce que Salomon avait fait. Alors où est-ce qu'il a copié cela? Et Salomon était entouré par 12 lions, 6 à droite, 6 à gauche. Et nous savons que le lion est représenté par l'esprit apostolique, de la même manière que les bien-aimés sauveurs en avaient 12 qui sécurisaient le royaume et le trône. Et quand cette femme se tient devant Salomon, elle a dit au roi, plaise à toi, l'enfant que je n'ai pas, mon enfant. La sagesse de Dieu agit dans la vie de Salomon. Vous connaissez l'histoire. Cette femme a récupéré son enfant. Et celle dont l'enfant était décédé l'a quitté devant Salomon couverte de honte. Bien aimé, si elle n'avait pas fait le constat, eh bien,
elle allait faire un faux deuil alors que son fils était dans le bras de quelqu'un d'autre. Vous devez apprendre à réclamer ce qui vous appartient. Vous devez apprendre à implorer le Seigneur pour que l'héritage qui est à vous vous revienne. Parce que ce n'est pas parce qu'on est femme que la loi peut peser sur nous. Je suis en train de parler des filles de Tselovtsar. La Bible déclare qu'il y avait une loi et cette loi, c'est Dieu qui l'avait donnée. Si un homme meurt et ne laisse pas des enfants mâles, son héritage ira entre les mains de ses frères. Mais ce que j'aime, après la mort de Tselovtsar dans le désert, les filles de Tselovtsar se sont tenues devant Moïse. Ils ont dit à Moïse, mais écoutez, cher Moïse, tu es sacrificateur et tu es prophète. Nous, notre père est mort dans le désert à cause de son propre péché. Mais nous, nous sommes des filles, nous avons droit à l'héritage de notre père. La Bible déclare, Moïse amena la chose devant Dieu. Mais écoutez ce que le Seigneur dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, écoutez, les filles de Tselovtsar ont raison. Alléluia. Bien-aimés frères, j'ai une bonne nouvelle. De la même manière que Dieu a dit à Moïse que les filles de Tselovtsar avaient raison, je voulais dire à quelqu'un, la chose que tu demandes à Dieu, tu n'as pas tort. Tu as raison parce que cela t'appartient. La Bible déclare, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si tu as demandé à Dieu le mariage, tu as raison. Si c'est la guérison dont tu as besoin, tu as raison. Pourquoi les filles de Tselovtsar ont eu raison? Parce qu'elles ont activé une chose, la loi de l'intercession ou de la réclamation. Ils ont dit non, l'héritage de notre Père nous appartient. Bien-aimés, écoutez, il y a un moment dans la vie où vous devez apprendre à vous battre pour avoir la vie que vous méritez. Il y a des choses qui vous appartiennent, mais d'autres personnes sont en train de jouir de cela. Quand tu te tiens devant Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de jouir de mon travail, de jouir de mon onction, jouir des talents, des potentiels, des habiletés et des relations que tu m'as données. Et je crois que le Dieu de toute grâce, il est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Troisième chose, dans les jours de la création, quand Dieu fait le constat, le Seigneur active une autre loi, la loi de la séparation. La Bible déclare, quand Dieu a créé la lumière, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Il faut que la séparation ait lieu. Bien-aimés, écoutez. Il y a des choses qui, dans notre vie, persistent jusqu'au là parce que nous n'avons rien dit. Dis à ton voisin, apprends à parler. Bien-aimés, tous ceux qui parlent ne disent pas toujours des choses importantes. Il y a d'autres personnes qui parlent pour ne rien dire. Il peut te prendre une heure, des heures. Mais quand tu analyses ou tu synthétises ce qu'il a dit, tu te rendras compte qu'il n'a rien dit. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais il faudrait que tu sois de ceux qui se tiennent devant Dieu. Quand tu parles, tu sens que ce que tu dis, ce ne sont pas des choses que tu as seulement dites, mais ce sont des décrets. Ce sont des lois que tu as fixées par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée et la vie de tes enfants. La Bible déclare, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Quand le Seigneur arrive, il a séparé les sceaux d'en haut et les sceaux d'en bas. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas séparation, bien aimé dans le Seigneur, le mélange sera imposé. Et bien ma prière est levée de mon cœur du haut de cet autel, que le Dieu de toute grâce amène des séparations palpables, manifestes, tangibles dans vos vies. Que Dieu sépare l'ivraie, que Dieu sépare l'ivraie du blé, que Dieu sépare le bouc des brebis, que le Seigneur sépare la lumière d'avec le ténèbre. Dieu sépare les sauts d'en haut et les sauts d'en bas et que cela s'efface dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et j'entends quelqu'un me dire amen. La séparation, faut que ça se passe ainsi. Quatrième chose, Dieu n'a pas seulement séparé, Dieu a aussi appelé
ou encore il a nommé. La Bible déclare, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et Dieu appela la lumière jour. Il appela le ténèbre nuit. Bien-aimé, écoutez, quand tu sépares, ne t'éteins pas. Parce que le travail n'est pas fini. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et quand tu regardes la lumière, il dit, lumière, toi tu t'appelleras jour. Ténèbres, toi tu t'appelleras nuit. Eh bien, quand le travail de la séparation se fait, il faut que le travail de l'appellation ou de la nomination se fasse. Tu t'élèves, tu dis Seigneur. Tu y as dit dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni bête qui avorte. Je décrète et déclare au nom de Jésus que les fruits de mes entrailles seront bénis. Oui, tu as béni le fruit de tes entrailles. Mais il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait distinction. Il faut qu'il y ait démarcation. Parce que quand tu sépares, eh bien, il faut appeler ce que tu as séparé. De peur que la confusion s'installe ou s'impose. Je me sépare ou me déconnecte des lois et des alliances qui réclament ma famille. Et moi, je m'appelle. Où je me nomme, je suis béni de Dieu, je suis riche, je suis prospère. Si ma famille c'est la pauvreté qui réclame, quand je séparerai ma vie de la pauvreté de ma famille, eh bien, je ne veux pas me taire, je veux me nommer, car tout ce qui existe sur terre doit porter un nom. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tout ce qui existe sur terre, il faut que ça porte un nom. Quel est ton nom spirituel? Alléluia. Quel est ton nom spirituel? Quand tu t'appelles en esprit, quel est le nom que tu portes? Bien-aimé, écoutez, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des lois que l'on doit activer. Il y a une vie au-delà de ce que tu vois. Parce que tout ce que tu vois avec tes yeux physiques, ce n'est pas tout ce qu'il y a dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur, après avoir séparé, Dieu s'est mis à appeler. Dieu appela la lumière jour. Il appela le ténèbre nuit. Et cela fut ainsi. Appellation. Alors, la question que je me pose et que je vous pose étant lecteur de la Bible. Il y a combien d'espèces de poissons marins? Marins ou marines? Marins. Combien d'espèces de poissons marins? Estimé 1000, 2000, millions? Ok. Alors, vous pensez que les jours que Dieu créait, est-ce qu'il était en train d'appeler chaque espèce par son nom? Combien d'heures cela allait lui prendre? Alléluia. La parole de Dieu appelle à l'existence, n'est-ce pas? Les choses qui n'existent point comme si elles étaient déjà, pas comme si elles venaient. Donc, le Seigneur, quand il se met là, il appelle le poisson marin. Il dit, baleine. Le baleine se présente, n'est-ce pas? Quand il dit hippopotame, rhinocéros, il appelle le poisson. C'est que dans la pensée de Dieu, il y avait tout le poisson marin. Et bien, quand Dieu lance appel, tout ce qui devait vivre dans les eaux répond présent. Parce que tout le poisson existait dans la pensée de Dieu. C'est ainsi, quand le Seigneur arrive, il est en train de marcher sur les eaux. Simon Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Le Seigneur a dit, viens. Lui, Simon nous dit, viens. Mais le terme utilisé, j'ai fait de recherche dans ma Bible interlinéaire. Le Seigneur a dit, venez.
Donc en disant enflammé, donc ces jours-là, quiconque voulait marcher sur les eaux, il allait sortir de la barque et marcher. Le problème c'est quoi? Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, venez. Donc si Matthieu était dans la barque, Matthieu n'est pas marché parce que Matthieu s'est dit, dans le venez de Jésus, il s'agissait de Pierre. Parce que c'est Pierre qui a formulé la demande. Et bien je peux être là. Il y a une prophétie qui est dit sur quelqu'un. Je suis en train de voir, dans ta vie, Dieu fera telle et telle autre chose. Mais si je sais que les choses qui est dit sur l'autre, ce sont des choses que je rêve. Oh my God, je sais que Dieu est là. Je peux marquer présent, même si mon nom n'est pas. Alors, du haut de cet hôtel, à ma qualité de prophète de Dieu, je lève ma main devant le trône du Seigneur. Je décrète et déclare que le ciel entend le son de ma voix, m'appuyant sur l'alliance de mon appel et de ma vocation. Que le Dieu du ciel régisse ton cœur, te donnant des choses que tu désires. Que Dieu place ta vie au sommet des collines éternelles et que tu reçoives de lui un témoignage éloquent. J'entends quelqu'un me dire yes. Bien-aimé, si à tes côtés tu fais des embrassades à un homme qui a mis un parfum de grand prix, que tu le veilles ou non, l'odeur de son parfum restera sur tes habits. Pourquoi? Parce que tu t'es connecté à lui. Alors, nous n'avons pas un parfum que le maison que vous connaissez ont fabriqué. L'onction du Seigneur sur nos vies ont la capacité d'influencer la vie de quiconque entre en contact avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand tu entres en contact avec un roi, quand tu exposes ta vie à un hôtel, ta vie exposée prendra la couleur ou la forme des paroles qui sortent de la bouche de l'œuvre du sacrificateur établi sur l'autel. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes devenus purs à cause des paroles que vous avez entendues. Je demande à Dieu que toutes les onctions qui... Oh mon Dieu, que ces onctions que Dieu n'a cessé de répandre dans cette maison et les onctions de tous les rois qui ont défilé du haut de cet hôtel bénissent vos vies et vous impactent de la plus belle de manière. J'entends quelqu'un me dire amen. Le Seigneur parle et dit, Dieu sépare la lumière d'avec le ténèbre. Il appelait la lumière jour et appelait le ténèbre nuit. Cela fut ainsi. Donc, dans l'art de bâtir, Dieu étant les bâtisseurs par excellence, trois choses. Dieu dit, deux, Dieu fit, trois, Dieu vit. Donc, entre le dire et le voir, il y a le faire. Alléluia. Dieu n'a pas d'abord commencé à faire. Il a d'abord commencé à dire. Les hommes spirituels ne travaillent pas d'abord. Les hommes spirituels parlent. Après, ils accompagnent leurs paroles par les actes. Mais le problème, c'est quoi avec nous? Il y a des gens qui se réveillent très tôt le matin. Ils s'empressent, ils doivent se laver, ils doivent s'apprêter, ils doivent. Il n'a pas. Bien aimé, écoutez, le Seigneur, quand il parle, je me dis, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Bien aimé, frère, commander est une chose, fixer des limites dans la commande en est une autre. C'est pourquoi Jésus, quand il parle, il dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à la montagne, ôte-toi de là.
finir par le très bon. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vision. Premier jour, c'était bon. Deuxième jour, c'était bon. Troisième jour, c'était bon. Quand Dieu crée l'homme, la Bible déclare, eh ben, le Seigneur vit que ce qu'il avait fait était très bon. Donc c'est un travail. Alors le problème c'est quoi? Il y a de jeunes gens, parce que il a fini les études avec mention grande distinction, et directement il veut commencer à signer le premier contrat de sa vie dans un bureau climatisé. Bien-aimés frères, tous ceux qui ont la foi n'ont pas les yeux fixés sur leur capacité, sur leur savoir-faire, mais leurs yeux sont fixés sur la grâce de Dieu. Et bien cet homme-là, malgré son savoir-faire, il peut accepter de commencer sa vie au bas de l'échelle, mais il sait que l'alliance qui plane sur sa vie et la bénédiction qui est attachée à sa destinée le promulsera, le propulsera, le prendra de là jusqu'au sommet des collines éternelles. Joseph n'a pas commencé comme un ministre. Mardochée n'a pas commencé comme un gouverneur. Ils ont commencé quelque part. Même le bien-aimé sauveur, il a commencé sa vie dans une crèche. Aujourd'hui, il est assis sur une chaise à or, selon ce qui est défini dans Apocalypse. Mais le problème avec nous, par moment, on veut, à peine on a commencé, à peine on a le très bon. Dis à ton voisin, sois patient. Dans l'art de bâtir, le Seigneur est un bâtisseur par excellence. Quand il est venu, il n'a pas commencé à faire. Il a commencé à dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a appelé, 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 appelé. Tout ce qu'il appelait, il faisait le constat. L'Éternel vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Frère, pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui, il y a eu des modifications, il y a eu des cassures. Chaque étape de la vie, on modifie ce qu'il y a modifié. On casse ce qu'il y a cassé. On améliore ce qu'il y a amélioré. Et ce travail, on le fera jusqu'à l'avènement de notre bien-aimé sauveur. Mais aussi, dans l'art de bâtir, vous devez savoir, les obstacles ne manquent jamais. Les obstacles ne manquent jamais dans l'art de bâtir. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 1er, verset 6, Néhémie a appris que la muraille de Jérusalem était détruite. Néhémie s'est mise à prier. Et quand il s'est présenté devant le roi, comme il était l'eunuque du roi, il servait le vin. Le roi a constaté que Néhémie n'avait pas une bonne mine. Le roi lui a posé la question, Néhémie, c'est quoi le problème? Tu n'as pas une bonne mine. Je vois que tu n'es pas malade, mais tu as un chagrin dans le cœur. C'est quoi le problème? Néhémie a expliqué au roi ce qui chagrinait son cœur. Le roi lui a dit, s'il faut que tu partes, combien de temps ton voyage te prendra? Néhémie a expliqué. Et quand vous lisez le verset 6, la Bible déclare, Néhémie a fixé un temps au roi. Il a dit, en tel timing, je peux faire tout ce que j'ai à faire à Jérusalem et je reviendrai pour te servir. Il a fixé un timing au roi. Mais quand Néhémie arrive sur le terrain pour faire le travail, il y a des obstacles. Sambala s'élève, Tobija s'élève pour empêcher à Néhémie de finir le travail. Et si Néhémie ne finissait pas le travail, c'est qu'il n'allait pas non plus respecter les timings qu'il avait donné au roi. Et directement, ça pouvait les disqualifier. Ils pouvaient trouver disgrâce. Ils pouvaient perdre le travail. Et il allait se retrouver à Jérusalem, ne faisant rien. Soit il devait laisser le travail qu'il devait faire afin de rentrer auprès du roi. Donc, les obstacles n'ont pas manqué. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'avons pas un mental d'acier. Ou quand tu rencontres des difficultés, il faut avoir l'âme conquérante. Ça n'a pas marché hier. Ce n'est pas pour autant que je vais rester au lit. Je me lèverai encore. Je vais encore tenter. Il faut avoir l'âme conquérante, frère. La vie ne va pas se présenter à toi comme sur un plan. Mais non,
nous l'avons toujours dit, la volonté fixe les objectifs, mais c'est la détermination qui les atteint. La volonté, elle seule, ne suffit pas. Bien-aimés frères, premier obstacle rencontré par Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 10. Et aujourd'hui, depuis le matin, j'étais dans la maison enfermée dans ma chambre de prière. La Bible déclare, Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, ils eurent un grand déplaisir de ce qu'ils venaient et non pour chercher les biens des enfants d'Israël. Le premier obstacle, c'était le déplaisir. Ça déplut à Sambala et Tobija. Parce que pour eux, Jérusalem devait rester dans cet état-là. Bien-aimé, écoutez, il y a des gens dans ta vie, ils peuvent être des hommes physiques ou des entités spirituelles. Toute la foi que le Seigneur mettra sur la bonne personne sur ton chemin pour t'aider, et ils peuvent manigancer pour détourner leur cœur, détourner leur attention, afin que toi tu restes dans cet état-là. Parce que Dieu sur terre, il n'est béni l'homme que par l'homme. La Bible déclare, Sambala et Tobija. Selon ce qui est dit, ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Bien-aimés frères, vérifiez bien, il y a d'autres personnes qui t'ont quitté dans la vie, pas parce que ces gens le voulaient, mais parce qu'il y a d'autres personnes qui les ont intoxiquées, qui les ont incitées, ou ont dit certaines choses sur ta vie, et ces gens-là, sans vérifier, ils se sont retirés de toi. Pourquoi? Parce que eux veulent te retrouver dans cet état-là. Ils veulent que toi, tu restes là, que tu souffres pour que eux aient raison. Ils eurent un grand déplaisir du fait qu'il venait un homme, qu'un homme venait pour le bien des enfants d'Israël. Bien-aimés frères, combien d'entre nous aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui étaient des hommes providentiels. Aujourd'hui, quand tu les regardes loin, parce que le diable a détourné leur cœur, le diable a détourné leur attention. Et quand vous lisez la parole de Dieu, dans Marc chapitre 3, le verset 14 et le verset 15, la Bible déclare, le bien-aimé sauveur monta à la montagne, il appela ce qu'il voulut. Jésus n'a pas appelé n'importe qui. Il appela ce qu'il voulut. Ils vinrent vers lui. Ils en établit tous pour les avoir avec lui, afin de les envoyer. J'aime comment Jésus a procédé. Un, il monte, il prie. Il les appelle. Après, il les a établis. Dans d'autres versions, on dit il les fixa. Parce que Jésus savait que ce que Judas a connu, les autres pouvaient le connaître. Il pouvait être intoxiqué. Il pouvait être emporté par le pharisien, par les dires de Sadducéens, par les dires de scribes. Mais quand il les appelle, la Bible déclare, il les établit tous. Le positionnement spirituel, l'établissement spirituel. Bien-aimés frères, certaines personnes qui arrivent dans vos vies, vous ne devez pas les laisser sans pourtant les positionner spirituellement. Quelqu'un arrive quand tu le tues, oh my God, cet homme est un homme providentiel, fixe-le, positionne son esprit, parle, Seigneur, je l'aurai soplanir. Je décrète et déclare, cet homme, il ne quittera jamais, même s'il a l'intention de me quitter, son cœur s'attachera à moi jusqu'à ce qu'il accomplisse la mission au nom de Jésus. Oui, bien-aimés frères, il y a certaines choses qui sont arrivées dans vos vies parce que moi et toi, on était distraits. Et tu te rendras compte, les hommes de bien sont en train de partir. Ceux qui sont là en train de te blesser, de te faire du mal. Bon, Bakendade. Tu t'es même arrangé pour Bakende. C'est comme ça, c'est collé, cimenté. Dans la Batomabe Bakende. Yamala Mubaya. Et surtout, nous les pasteurs, il y a des gens comme ça.
Lui-même, c'est un homme à problème. Et ces gens-là, ce sont ceux qui sont toujours prêts à s'attacher aux bonnes personnes qui viennent. Et même quand tu le vois parler avec ses... Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Il est en train de dire quoi? Je ne sais pas si ça t'arrive. Peut-être qu'ils sont en train de parler, sont en train... Toi, tu es... Oh Seigneur, je prie, oh mon Dieu, fais-moi grâce. Oh frère, ma prière devant le trône de Dieu. Tous ceux qui ont un mauvais cœur, ceux qui attendent de te voir échouer pour qu'ils se réjouissent, je prie que Dieu ne puisse pas honorer leur mauvais cœur. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te donne des hommes et des femmes qui vont travailler avec toi pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Je libère ces paroles de grâce sur la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères, il faut apprendre à maximiser quand c'est ton temps. La Bible déclare, David en son temps, David a, en son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé avec David a, en son temps. Bien-aimé, je prie que ton temps là soit maintenant. Je prie que ton temps soit cette saison. Que Dieu amplifie tes habiletés. Que l'onction de Dieu te donne la capacité d'accomplir la mission de Dieu. Que tu travailles pour l'accomplissement des objectifs que Dieu t'a assignés sur la terre des hommes. Je décrète et déclare, aucun homme né de chair et de sang, aucun homme qui est sorti d'une femme, n'écoutera ta vie sur la terre des hommes. Je décrète et déclare, aucun esprit ou encore une entité spirituelle ne portera atteinte à ta vie, à la vie de tes enfants, à ton onction ou encore à tes prochains. Dieu t'affermira et tu vieilliras rassasié des jours au nom puissant de Jésus. Les tes plaisirs, selon eux, les bonnes choses, c'est eux qui doivent les avoir. Quand ça vient vers toi, bien-aimés frères, ça c'est l'esprit de Sambala et de Tobija. Ils sont comme des sentinelles. Ils sont en train de... Nani ayena finaye. Alors vous aussi, à peine même, tu as seulement commencé à parler avec le frère. Il n'a encore rien dit. Après, tu as commencé à parler. Alors tu vois. Bah. La Bible déclare, quand ils ont vu Némi arriver, pourquoi? Parce que eux doivent voir Jérusalem souffrir. Doivent avoir Jérusalem croupir. Jérusalem doit avoir la muraille qui est détruite, les brèches partout. C'est ce qu'ils veulent. Quand on te voit souffrir, même à l'église, quand ils te voient verser le larme, ça le réjouit. Quand tu danses et même se pose des questions, comment est-ce que c'est derrière les latés? Frère, c'est comme on a suspense. Mais que le bonheur t'en a bien. Le problème avec toi, c'est que tu es là, caca. Et toi, tu dois tourner comment? Tu te mets à tout raconter. Même les Juifs ont dit à Jésus, papa, si tu es le Messie, dis-le nous. Si tu es Élie, parle. Pourquoi tu laisses notre esprit en suspense? Dis à ton voisin, tu as bon la suspense. Tu te réveilles le matin, aucun n'est pas été au Dieu make-up. Le matin, tu sors, je ne sors pas. Mais comment est-ce que tu te fais belle? Je veux rester à la maison. Bien, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé le matin? Tu t'es bien habillé, tu as mis le chaussure, veste, cravate, mais tu pars nulle part. Après, tu vas seulement au salon, tu prends la télé, tu commences à suivre la télé. Il y a quoi avec toi? Il n'y a rien. Pourquoi tu habilles ainsi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia.
tika esprit na bango na suspense. Mais là, je n'ai pas dit que commence à mettre sur ton statut, tu me manques. Parce que ça peut aussi chasser quelqu'un qui voulait te sortir du célibat. Eh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a personne jusque-là. Après, Yomuko Kaka, tu t'es distrait, Yomuko Kaka. On appelle moi quoi? Oh, il n'y a personne. Il y a que nous avons le Saint-Esprit de consolateur. Alléluia. Alors ce frère-là, depuis un temps, il est en train de t'observer tout en priant pour que le Seigneur l'oriente. Et quand il voit sur ton statut, tu me manques. Sûrement, il s'est dit, ah, la sœur est occupée. Qui est en train de prolonger le célibat? Toi-même. Alléluia. C'est pourquoi par moment, il faut changer de stratégie. Tu te réveilles le matin, tu mets seulement sur le statut, je t'aime Jésus-Christ. Quand il rêve, oh, lui n'aime que, elle n'aime que Jésus. Donc jusque-là, son cœur est libre. C'est tout un message. Que quelqu'un me dise amen. Deuxième obstacle. Néhémie chapitre 2. Verset 19 et le verset 20. La Bible déclare. Sambal les Oronites, à Tobie, je serviteur Ammonite et Geshem, l'Arabe. Ils ont commencé à deux. Ils ont trouvé un troisième allié. Au début, on parlait que de Sambala et de Tobija. Quand vous descendez au verset 19, on ajoute Geshem l'Arabe. Et n'ayant été informés, et ils ont toujours des informateurs, des gens qui les... Bien mes frères, c'est pourquoi il y a d'autres personnes qui viennent vers vous. Pas pour vous consoler, juste pour avoir des informations. Hein? Ils viennent, comment tu vas ces derniers temps, comment ça se passe? Et quand tu parles, elle prend tout, elle envoie de l'autre côté. La Bible déclare, ayant été informés, ces moqueurs de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien après, deuxième obstacle qu'ennemi a connu. C'est la moquerie et le mépris. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou tu traverses ces moments difficiles, mais tu es entouré par les moqueurs. Les hommes qui te méprisent. Les hommes qui te font voir que tu ne vaux rien. Ta vie, tu n'as rien. Tu es un foutron, tu es un galérien. Alors que tu as l'amertume dans l'âme. Tu as même besoin de quelqu'un qui peut te dire, mon frère, je crois en toi. Ma soeur, tu es une belle femme. Tu es intelligent. Ta vie, tu iras de l'avant. Non, la Bible déclare, quand Sambala, Tobija et Geshem le voient, la Bible déclare, ils se moquaient et nous méprisèrent. Bien-aimés frères, la moquerie et le mépris, ça peut venir même des hommes de confiance, des hommes qui étaient là quand le Seigneur te parlait, ceux qui doivent être là pour te soutenir et t'encourager. Quand tu entends certaines choses qui sortent de leur bouche et tu te dis, Seigneur, je suis entouré par des vautours. Je suis entouré par des destructeurs. Ils se sont moqués d'eux. Ils les sont méprisés. Bien-aimés frères, pire encore, c'est quand ça vient des personnes qui sont censées nous connaître, des personnes qui sont censées nous soutenir, des personnes qui sont censées nous dire de bonnes choses. C'est blessant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Où quelqu'un t'a dit, toi tu penses que dans la vie, tu feras quelque chose pour moi. Est-ce que toi tu penses que dans la vie, chers parents, n'osez jamais sortir de telles paroles dans vos bouches sur vos enfants? Parce que quand tu dis, toi tu penses que dans la vie, tu feras quelque chose, ce n'est pas seulement une parole, c'est une malédiction que tu libères. Tu es en train de sécher, tu es en train d'amoindrir la destinée de cet enfant-là. Et quand dans la vie, il ne fera rien pour toi, c'est toi qui vas souffrir dans ta vieillesse. Le mépris. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pensez que vous ferez quelque chose? Bien-aimés frères, j'ai connu ça. Oui. J'ai entendu
entendu des choses. J'ai entendu des choses. Mes oreilles là, j'ai entendu des choses. Mais j'ai agi comme aimé. Bien aimé, face au mépris, ne t'étais pas. Parole contre parole, faut parler. Quelqu'un vient te dire, toi tu es pauvre, frère. Il ne faut pas te taire. Parce que la personne, quand il parle, tu ne sais pas quel esprit il libère derrière la parole qui sort de sa bouche. Il faut apprendre à renoncer à certaines paroles. Et ils sont dit à Néhémie. Et Néhémie, quand il s'élève, la Bible déclare, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Si vous vous moquez, si vous nous insultez, si vous nous méprisez, nous ne sommes pas forts en nous-mêmes. Nous savons que le succès dont nous avons besoin, c'est le Dieu des cieux qui va nous le donner. Bien-aimé frère, quelqu'un vient te mépriser, dis-lui je sais ce que tu dis, tu as raison. Je n'ai ni or ni argent, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de relation. Mais à ce que je sache, l'éternel Dieu d'Abraham, il ne m'abandonnera pas. Dieu me soutiendra. Même à ton père, tu peux lui dire, papa, merci de m'avoir dit ce que tu dis. Mais je sais que Dieu est passé par toi pour que tu me donnes naissance. Mais je sais que ma destinée est entre les mains du Seigneur. C'est possible car vous ne devez pas vous taire. Ce que vous tolérez s'attache à vos vies. Bien-aimé frère, il y a des choses que j'ai refusées dans mes prières. Quand j'entends, j'ai dit oui. Ça a été dit. Les hommes ont dit. Les hommes ont libéré telle et telle autre parole. Frère, il faut apprendre à nager contre le courant. Qu'est-ce qu'Isaac dit à Ésaü? C'est en faisant quoi? En errant ça et là. Donc, avec ce que j'ai dit sur Jacob, si tu restes fixe, Jacob va te dompter, Jacob va te mépriser. Si tu veux échapper à son contrôle, bouge, sois en mouvement, ne sois pas stable. Bien aimé, Dieu est dynamique, Dieu n'est pas statique. Apprends à bouger avec Dieu. J'ai leur fait cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir. Donc, Néhémie a effacé leur influence. Il a dit, vous, vous n'aurez pas de... Dans deux versions, on dit, vous, on ne se souviendra pas de vous à Jérusalem. Bien-aimés frères, parlez, parlez. Quelqu'un vient, il te méprise par les paroles et tu te maries jamais. Même si c'est un ami, je vais répliquer. Hey, je vais répliquer. Parce que c'est lui qui parle ou libère des paroles négatives. Il est en train de soumettre ta vie à ce qu'il dit. Alors que faire? Répliquez, parlez, répondez. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, on bâtira. Troisième obstacle. Néhémie chapitre 3, le verset 1er. Bien aimé frère, il y a eu Sambala, il y a eu Tobija. Néhémie était l'eunuque du roi. Mais Néhémie n'a pas travaillé seul. La Bible déclare, Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères. Quels étaient ses frères? Les frères sacrificateurs. Le sacrificateur, il bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et imposèrent le bâton. Il a consacré depuis la tour des meilleurs jusqu'à la tour des Analel. Bien aimé frère, un autre obstacle, au-delà de deux obstacles que j'ai dit, Néhémie a compris. Si Samba
Bala et Tobija ont trouvé que j'aime l'arabe comme allié. Je ne dois pas travailler seul. Il y a certaines batailles de vos vies que vous ne remporterez pas seul sans associer une onction à tes combats ou à tes batailles. Je t'explique ce que j'ai à dire ici. La Bible clame, l'ennemi est en train de bâtir. Le premier qui ont posé la porte des brebis, c'était le sacrificateur. La Bible clame, Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères, le sacrificateur. Ils bâtirent la porte des brebis et la consacrèrent. Bien aimé frère, un travail qui avait été bâti par le sacrificateur, un travail qui avait été consacré par le sacrificateur, aucun homme qui soit Sambala, qui soit Tobie, je ne pouvais l'arrêter. Bien aimé frère, apprenez à associer Dieu à vos batailles. Apprenez à associer les onctions supérieures à vos combats. Car vous devez savoir que dans ce monde, nous sommes dans un monde d'accompagnement. C'est Moïse là, l'homme qu'ils ont méprisé. Il accomplit sa mission avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc, Moïse a réussi parce qu'il était bien accompagné. Bien aimé frère, Eliashib, le souverain sacrificateur, a pris ses frères, le sacrificateur. Ils ont bâti la première porte, la porte des brebis. Le temps nous fait défaut d'entrer dedans. Ils ont bâti la porte des brebis. Et ils ont pris l'huile d'onction. Ils ont consacré la porte. Ils ont dédié la porte à l'Éternel. Bien-aimés, tu arrives quelque part, tu achètes une terre. Et quand tu regardes même tes économies, tu n'es pas en mesure de finir la maison. Frère, appelle un sacrificateur. Qu'il fasse quoi? Qu'il consacre à l'Éternel. Dans cette église, il y a beaucoup de gens qui ont connu ça. Tu veux commencer un business. Prends ton argent, mets dans l'enveloppe. Tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant un sacrificateur. Consacrez ce capital. Consacrez mon mariage. Consacrez mes enfants. Consacrez ma maison. Consacrez mon ministère. Parce que nous ne sommes pas seulement dans un monde de présentation, d'accompagnement, mais nous sommes aussi dans un monde de présentation. L'impact qu'on est censé avoir dans cette vie dépend également des types d'esprit qui t'a présenté. Parce que quand on te présente pas seulement devant Dieu, mais on te présente aussi devant les esprits, bons ou mauvais. Le souverain sacrificateur s'élève. La Bible déclare, il n'était pas seul, il était avec ses frères, le sacrificateur. Quand il s'élève, la première porte, lors de la reconstruction de la muraille, a été bâtie par le sacrificateur. Bien-aimé frère, qui est Sambala? Qui est Tobija? Qui est Geshem l'arabe pour te renverser? Soli banganza me bakoti bitumbana. Frère, la vie c'est pas ce que vous voyez. Alléluia. Maman Nathalie a donné ce témoignage. Au boulot combattu comme tout. Elle vient, je dis, ok, à moins que ton argent ne serve pas Dieu dans cette église. Frère, il y a des choses comme ça qu'on ne saura toujours pas dire au micro. Il y a des gens qu'on peut destituer. Pas parce qu'on devait l'enlever là. Parce que moi j'ai prié, je l'ai enlevé. Sur le plan spirituel, je l'ai détrôné. Et physiquement, on l'enlève. Bien aimé frère. Frère, la vie, ce n'est pas ce que tu vois. Mais le problème avec vous, comment expliquer que tu pries dans une église? Ça fait une semaine, ton pasteur ne te voit pas. Il t'écrit. Bonjour maman, vous allez bien? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh, papa, je suis à Dubaï. Comment tu as fait? Je ne suis pas en train de dire que on doit être des décideurs de vos destinées. Mais tu as besoin de l'accompagnement. Quand tu es allé à Dubaï,
je n'étais pas au courant. Quand tu as acheté la marchandise, je n'étais pas au courant. Quand tu es rentré au pays, je n'étais pas au courant. Mais maintenant, là, quand tu fais des pertes, c'est là maintenant que tu vas te rappeler, ah, c'est là parce que t'es problème à quelque part. Et tu veux maintenant, oh papa, libérer l'onction de la prospérité. Caca. Attends, oui, oui. C'est comme l'histoire d'Élisée. Quand ce garçon est allé emprunter la hache, Élisée n'était pas au courant. Et quand la hache tombe, elle vient, oh mon père, la hache, je l'avais empruntée. Heureusement que c'est cette hache-là servait à la construction ou l'élargissement de la tente. C'est pourquoi Élisée a intervenu. Tu faisais quoi avec la hache? J'étais en train de couper les bois pour élargir la tente. Ok. Ta hache contribuait à l'émergence de l'œuvre de Dieu. Mais là, toi, tu as emprunté une hache et tu étais en train d'abattre pour ta propre maison. Et Mbani, aussi Sango. Dis à ton voisin, apprends à associer les sacrificateurs à tes batailles. Tu es promis dans ton entreprise et tu as un nouveau bureau. Ce n'est pas un péché. Qu'on arrive dans ton bureau avec l'huile d'onction, on consacre ton bureau. Ce n'est pas un péché. Qu'on arrive là où tu travailles, on dédie ton business au Seigneur. Père, que cette entreprise ne meure point. Comme Moïse, Kérubin vive et que ses hommes deviennent nombreux. Mais le problème avec vous, vous êtes des hommes à tout accomplir. Il y a certainement beaucoup que vous n'avez besoin de personne. Mais quand ça bloque et ça capote quelque part, c'est là que vous vous souvenez. Quand tu as commencé la relation là, on n'est pas dedans. On n'était pas informé. On n'était pas au courant. Mais quand maintenant il te dit, je ne sens plus rien. C'est là que tu viens m'informer que tu étais dans une relation que tu entretenais il y a de cela une année. Dernière chose pour ce soir, je vais m'arrêter là. Néhémie chapitre 4, du 1er au 6e verset. Je ne vais pas décortiquer parce que, encore derrière le temps, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? La première question. Les laissera-t-on faire? Deuxième question. Sacrifieront-ils? Troisième question. Font-ils achever? Quatrième question. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous le monceau de poussière et consumées? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelle onction que Dieu a placée sur ma vie puisse redonner vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de pierre, des poussières et consumées par le feu, des destinées désorientées, des vies réclamées à ma père du haut de cet autel. Je prie que le Dieu de ma jeunesse, le Dieu d'une jeunesse sacrifiée, le Dieu de mes larmes et de mes privations, que le Jésus-Christ, le Dieu de mes apparitions, puisse redonner la vie au bien enseveli. Je parle à un Bartimée en ces lieux. Je parle à une Sarah en ces lieux. Je parle à la femme Anne en ces lieux. Je parle à Elazar. Que le Dieu d'alliance puisse ressusciter ta vie ensevelie. Là où on t'a mis sous le pied. Là où tu es couvert par des poussières. Là où ta destinée est consumée par le feu. Je libère cette parole de grâce. Que Dieu redonne la vie. Que Dieu redonne la vie. La vie à tes finances. La vie à ta prière. La vie à ta consécration. La vie à ton ministère. La vie à ton onction. La vie à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Tandis que l'ammonite était à côté de lui,
et lui dit qu'il bâtit seulement, un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Bien-aimés frères, alors que j'étais en train de lire dans ma Bible interlinéaire, le verset 3 ici, Tobija l'ammonite qui était à ses côtés dit qu'il bâtisse seulement. J'enverrai un renard s'élancer et il renversera leur muraille de pierre. Bien-aimés frères, ici, ça devient la bataille de mauvais sort. J'enverrai un renard. Bien-aimés frères, il y a des hommes. Quand ils se mettent à parler, ils libèrent de mauvaises paroles. Yé abala, mais na libala ou abota gaso total. Tu as fini les études, travail total ayo. Au Bali, bon makasinajan. La Bible déclare ici. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur toutes les questions posées par Sambala, mais la Bible déclare. Tobie, j'ai dit, j'enverrai un renard. Il va se lancer et renversera leur muraille de pierre. Bien-aimés frères, mais écoutez ce que Néhémie dit. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-leur au pillage sur une terre où ils soient captifs. Bien-aimé, parole contre parole. Ah ouais, et comme un pouvoir, il y a imprécation. Quelqu'un comprend? Vous avez dit que vous allez envoyer un renard pour renverser ou saboter le travail qu'on a fait. Alors moi aussi, je suis ennemi, je fais une prière. Fais retomber les insultes sur leur tête. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Que leur péché ne soit pas effacé devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et les peuples, frère, dis à ton voisin, tu vas finir. Ouais, ce travail-là, tu vas l'achever. À moins que ne soit pas appelé. À moins que Jésus-Christ ne soit pas sur le trône. À moins, je disais à moins. Si Dieu m'a appelé, je t'ai dit que tu vas finir. Je disais que si Jésus-Christ en 2010 m'était apparu à la montagne de Mangengenge, je disais que ce que Dieu a commencé avec toi là, tu vas l'achever. Ma vie, mon appel, ma vocation, mon onction, mes alliances, mes larmes, mes sacrifices, je les mets en jeu. Soyez simité, c'est un zama bengangate. Lève-toi, on va prier. Dieu dit. Dieu fit, Dieu vit. Ce soir, je voudrais qu'un homme